Salut les aigles de la route, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus là pour cette nouvelle vidéo. Là aujourd'hui, là je vais descendre pas loin de Bourg-en-Bresse. J'ai un client à... Je vais vous dire ça, il est à Vaudin, dans le 01, dans l'Ain. Et ensuite, j'ai un deuxième client qui lui se trouve à Saint-Priest. Donc, région lyonnaise. Donc, on va faire ça dans la matinée. Là, ça fait déjà 1 heure que je roule, mais bon, je suis tombé sur un gros, gros convoi exceptionnel. Donc, j'ai décidé là de faire une petite coupure, de le laisser avancer. Voilà, j'ai coupé un quart d'heure. Là, ça va faire même 17 minutes. Ça fait un petit peu trop. Et ben là, c'est reparti. Je vais y aller en espérant que je le rattrape pas ou bien qu'il soit sorti, tu vois. Mais on se retrouve tout de suite après ça. Les aigles de la route, allez, nous c'est parti, on va démarrer et on va décoller. Let's go dancing! Allez, on y va, il n'y a personne derrière nous. Ça y est, j'ai mon nouveau camion. Un nouveau. Tu auras compris, il n'est pas neuf, mais voilà, c'est un autre. Celui-là, je ne sais pas si tu arrives à voir le tableau de bord. Il y a zéro alerte, aucune alerte, et ça, franchement, c'est nickel. La semaine a bien commencé, on est mardi. Hein. J'ai coupé cette nuit à Besançon. Enfin, juste après Besançon, j'ai très bien dormi. C'était au bord de la route, mais ça va, c'était calme. Franchement, c'était calme. Là, ce matin, décollage à 6h. Et là, j'ai rendez-vous chez le client entre 8 et 10h. Bon, logiquement, il me reste encore une petite heure de route. Il va être 8h. Il est 8h moins 4. Donc, logiquement, ça devrait le faire. Il n'y aurait pas de souci. Il ne devrait pas y avoir de problème. Là, tu vois, ça roule bien. On dirait les gens sont déjà au boulot. Je vais quand même récupérer mon GPS, on ne sait jamais. GPS me dit il me reste 50 bornes. Franchement, c'est bien 50 bornes. On va les plier vite fait. Ensuite, ce sera direction Saint-Priest. C'est un chantier que j'ai à faire à Saint-Priest. Je vais essayer de vous filmer quand même quand ils vont me vider le chantier. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème sur les chantiers. Mais là, ce que je vais faire à Vaudin, bah, c'est une petite entreprise. Je ne sais pas si c'est possible de filmer. Je vais essayer, je vais voir. On va essayer. Bref, en tout cas, les gars, je vous remercie tous là pour le soutien que vous m'apportez via mes liens Amazon. Franchement, c'est cool. Continuez à faire vos achats en passant par mes liens sur Amazon. Et merci aux 3 donateurs là qui m'ont fait des petits dons sur PayPal. Franchement, c'est cool. C'est
La rue, c'est cool. Continuez à faire vos dons sur PayPal que je puisse acheter du GoPro. Et avec du GoPro, ben, je vais pouvoir faire du contenu de meilleure qualité. Ainsi que des lives aussi de bonne qualité. Bon, on en est loin, mais bon, ça va. En tout cas, merci encore à vous, ceux qui soutiennent la chaîne via Amazon, via PayPal, via Tipeee aussi. J'ai un compte Tipeee. Bon, personne a fait de don sur Tipeee, mais PayPal, c'est cool. Et bien sûr, tu soutiens aussi la chaîne en regardant et en t'abonnant à ma chaîne. Là, je suis à 95 km de Lyon. Pareil, après, il me restera même pas 50 km pour aller chez le deuxième client. Donc, ce sera assez rapide, j'espère. Je croise les doigts. Frérot, je vous récupère là tout à l'heure dès qu'on arrive à proximité du client, parce que là c'est inutile de filmer ça. Il n'y a pas grand chose qui va se passer là. À tout de suite. Bon les gars, là j'ai fini ma journée à Lyon. Désolé, hein, j'ai pas pu filmer tout le temps là. J'ai pas pu filmer. Bon là, comme vous pouvez voir, ben voilà, t'as vu. C'est le nouveau camion. C'est plus le déglingué. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Moi, je parle avec vous là, je suis rentré dans un truc. Je suis interdit de rouler normalement. On va vite le tracer. Je vais vite le tracer en espérant qu'il n'y ait pas de gendarmes ou de police. J'ai pas fait gaffe là au panneau. Et Gogol. Ah, Christine là, elle croit que je suis en voiture, tu vois. On dit que Chantal, elle sait. Putain, l'ancien, il fait peur. Ah, ben, interdit aux plus de 12 tonnes. Au plus de 12 tonnes, ouais. Maintenant que j'y suis, ben voilà, il n'y a pas le choix. Ah, ben, c'est comme ça les amis, tu vois. Franchement, c'est comme ça. Ah, là, les mecs sur l'autoroute, là-haut, ils sont tranquilles. Je sais pas si vous voyez. Vas-y, le A, je veux bien t'es un apprenti ou un abruti. Dites-moi dans les commentaires si les A sont des apprentis ou des abrutis. Logiquement, ils sont plus des apprentis, ils doivent connaître le code de la route et compagnie. Hein. Débutant, oui, je veux bien, mais même débutant. Moi, j'ai débuté, je crois, à 12-13 ans. Et direct, c'était... J'ai appris à rouler tout de suite plein gaz. Tout de suite plein gaz. Là, je crois que j'aurais dû prendre l'autoroute là pour traverser la traversée de Roanne. Je crois que c'est ce que j'aurais dû faire. Ça va passer au rouge. Juste quand je vais arriver devant, non? Franchement, j'espère que je vais pas me faire allumer par les flics. Je sais que j'ai pas le droit de rouler ici. Et c'est pas une question de hauteur, c'est une question de poids. Donc il y a une interdiction aux plus de 12 tonnes ici. En tout cas, la traversée de Roanne. Putain, regardez, hein, je vous promets, j'ai commencé à 6h du matin, les mecs. 6h du mat. Là, il est 16h25, 16h30. J'ai mangé deux petits biscuits. Mais vraiment sur le pouce, toi. C'était pendant qu'il me chargeait chez Schenker. J'ai eu le temps de manger deux petits biscuits. Et voilà. Alors, j'ai faim.
je me suis même, je vous promets, je me suis même pas arrêté pour pisser. Là. J'ai une envie pressante. Là, j'espère que je suis pas rentré là dans un guépier là, parce que là, les ruelles commencent à devenir de plus en plus étroites et ça fait flipper. Franchement, ça fait flipper. J'aime pas rouler dans les centres-villes comme ça, c'est pas bon. Bon, ça va en ligne droite normalement jusqu'à la sortie du village, jusqu'à la sortie de la ville. Putain, je l'ai même pas vu lui. Je vous promets là, le gamin là, vous l'avez vu là, le gamin qui a traversé. Je vous jure, je l'ai vu au dernier moment. Heureusement, j'étais à l'arrêt, tu vois. Bon ben cette vidéo on va l'appeler traversée de Roanne. Interdiction de traverser Roanne. Oh ça va. Tout à l'heure je vous ai dit c'est assez étroit, non en fait ça va. J'ai vu pire. Vas-y je t'en prie. Je les respecte, ceux qui roulent là avec ces petites voitures là. Mon fils il a la même, c'est pour ça. Je sais, j'aime pas les voitures françaises, mais mon fils voilà, c'est sa première voiture et donc c'est très bien. Il a éclaté, c'est pas grave, c'est sa première. Donc il a le droit de l'éclater. Enfin, il a le droit de l'éclater. En même temps, c'est lui qui la paye. Voilà, hein, elle est bien gentille, mais bon. Après, vous inquiétez pas, hein, je l'aide bien quand même. Alors, regarde le GPS, il me dit que c'est un peu bouché là. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire là, le petit Portwingo? Je vous jure, hein, il est déjà là, il était mal barré là. Regarde, regarde. Une Twingo, il n'arrive pas à se garer. Regarde, il nous refait la même. La même, ça n'a rien changé. Il va mordre le trottoir, normal. Elle était garée! Putain, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Une Twingo, les mecs, hein. Une Twingo. Il y a de la place là pour mettre, je sais pas moi, une plus grande voiture. Elle a lâché l'affaire. Pourtant, il y a de la place, regardez, il y a de la place. Et je l'ai senti direct, hein. Direct, hein. Vas-y, vas-y. Je l'ai senti direct. J'ai juste vu là comment elle voulait rentrer dans la place. Non, 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 non. Putain, je m'arrête devant la police nationale. Oh putain. Oh putain, et ils sont ouverts en plus. Si ça, c'est pas chercher les problèmes. Là, t'es dans un coin, t'as pas le droit de rouler avec un SMI et tu t'arrêtes devant la police nationale. Je vous promets, ils sont juste à ma droite là, à ma gauche, pardon. Et regarde l'autre, il laisse passer tout le monde. Encore cette Twingo qui laisse passer tout le monde. Et le feu rouge, c'est pour nous. Vas-y. Là, t'en laisses passer un, ça va. Mais tu laisses pas passer la terre entière. Bon, apparemment, je pense qu'ils tolèrent quand même un petit peu, tu vois, les mecs qui passent en camion, je pense. Hein. Parce que, putain, là, je me suis arrêté à côté de la police nationale. Ils m'ont rien dit. Pourtant, ils m'ont vu. Je pense qu'ils m'ont vu.
Mais bon, allez, respect quand même aux forces de l'ordre, aux agents de sécu, hein, aux agents de forces de l'ordre. Je sais même pas comment on les appelle. À la police, tout simplement, hein, police nationale. Même si voilà, on sait qu'ils font un boulot de chien galeux. Et c'est des hommes dans l'uniforme. Donc voilà, tu vois. Et ils sont pas tous pourris. Là, je vous parle de ça dans mes oreilles, je vous jure, j'entends une comme une sirène de police. Bon, je passe sous le pont là ou je passe pas? À votre avis? Bon, on va essayer, hein, peut-être qu'on passe. Bon, ça y est, nous on est pratiquement sorti de Roanne là. Ah, mais j'ai perdu du temps là, grave là, pour sortir de Lyon. J'avais pas le choix, j'étais dans Lyon, tu vois. Et dans Lyon, ben ça roule comment, en région parisienne pratiquement, hein, c'est le même bordel. Mais c'est plus agréable, franchement, c'est plus agréable. J'ai vu un accident, j'allais vous dire, il n'y a pas eu d'accident par rapport à la région parisienne. Mais si, j'ai vu un accident et apparemment c'était grave quand même parce qu'il y avait les ambulances et tout, les pompiers, les ambulances. C'était une camionnette, elle a éclaté une voiture. Mais éclaté une voiture, hein, c'est pas un petit choc à la parisienne là. Hein. Et de la tôle froissée. Là non, 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 non. C'était vraiment un boum boum. Tarare. Bon, allez, c'est reparti, on peut rouler. C'est même pas Roanne, c'est encore devant. Ah, c'est Tarare que j'ai fait. Ah, je vous jure, je pensais que j'étais à Roanne. Putain, le village, là, il y avait un lieu dit là, il s'appelle Mouillatou. Ouh, attention, qu'est-ce qui s'est passé là? Regarde ça. Le type a dû perdre un bout de son chargement. C'est un convoi. Putain. Voilà les amis, hein, un petit peu de montagne. Mais bon, on va pas faire les 25 bornes là que j'ai à faire ici là, sur cette route. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit pouce en l'air, ça fait pas de mal, c'est gratos. Hein. Si t'es pas abonné, ben vas-y, abonne-toi. Tu cliques sur le bouton s'abonner, sur le pouce en l'air et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos qui tarderont pas à venir. Et par contre aussi, avant qu'on se quitte, ben ouais, j'ai quelques petites surprises pour vous, quelques petites surprises en vidéo. J'ai pas envie de vous en parler, je préfère que vous découvrez ça en vidéo, franchement. Donc soyez attentifs là pour les prochaines vidéos, ça risque de bouger un petit peu. Moi je vous dis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao, ciao. Putain, virage, aïe, aïe, aïe. Oh là là, dans quoi moi je me suis embarqué là.
700 bornes à faire. 700 bornes.